Bonjour, je rigole toute seule. Levez-vous. La puissance hisse les genoux, propulsant tout en haut les âmes, des plus vaillants et riches d'entre nous, dans cette lancinante et maligne trame. Si le silence sort des ombres, des sombres trous, toute personne qui l'espère sans drame, si leur espoir efface la boue des visages dont ils se pâment, alors viendra la grande lumière floue, belle lumière aux contours très doux, des êtres qui les accompagnent, et leur apparaîtra une douce femme, leur œil vif éclaircira tout. Bonjour, je suis Lydie Bonandrian-Montel, je suis artiste visuelle et créatrice des mandalas de guérison. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au mandala que j'ai eu envie d'appeler « Levez-vous ». Vous le voyez apparaître sur la droite et vous avez au centre Krishna. Alors le message c'est « Levez-vous, levez-vous, hissez-vous et soyez courageux dans le travail intérieur profond que vous entreprenez chaque jour. Car il y a des hauts, il y a des bas. Et lorsque vous sentez justement qu'il y a un moment où vous vous sentez en vibration et en fréquence relativement basse et vous vous sentez comme aspiré par votre mental, par vos pensées et que vous vous sentez perdu, c'est peut-être l'occasion de faire cette méditation. Nous allons pouvoir démarrer la méditation. Vous vous installez confortablement sur un siège ou sur un coussin, mais assurez-vous d'avoir le dos bien droit. Le mandala doit être situé face à vous, à votre regard, de manière à ce que vous n'ayez pas à tourner à la tête dans un sens ou dans un autre. Il est important que vous soyez dans une pièce silencieuse, au calme. Vous allez démarrer à présent l'observation attentive du mandala pendant 2 à 3 minutes. Pas besoin de regarder l'heure, je vous indiquerai le moment où vous pourrez arrêter l'observation. Pensez à bien respirer pendant l'observation. Merci. À présent, vous allez fermer les yeux et observer intérieurement le mandala. Vous allez peut-être apercevoir des images rémanentes, des couleurs. Laissez venir innocemment ce qu'il vient à vous.
Restez bien focalisé sur les formes qui apparaissent intérieurement. À présent, vous allez ouvrir les yeux et vous allez à nouveau visualiser le mandala. Et nous allons introduire la respiration consciente. À l'inspire, vous prenez l'énergie du mandala. Et à l'expire, vous redonnez l'énergie au mandala. Et vous alchimisez intérieurement votre état en faisant ce va-et-vient grâce à l'inspire et à l'expire. Cette pratique durera environ 2 minutes. Je vous indiquerai le moment où vous pourrez vous arrêter. Votre inspire et votre expire se fait de préférence par le nez. Et la respiration est douce. Cela fait un léger chuintement. À présent, vous pouvez ouvrir les yeux. Merci. Merci infiniment d'avoir suivi cette pratique. Vous pouvez, bien entendu, et c'est vivement conseillé, la refaire et la refaire sur 4-5 jours. Et puis, à des moments où vous sentez que c'est difficile, que là, vous avez une période difficile, que vous vous sentez perdu, que vous n'avez pas de réponse vraiment claire dans ce que vous recherchez, eh bien, de toute façon, les réponses qui seront le plus claires pour vous, ce sont vos réponses intérieures. Ne l'oubliez jamais. Et ça, vous pouvez vous canaliser vos propres réponses et vos propres questions aussi, vos questions qui vous emmèneront à des réponses. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce mandala, le refaire. Vous pouvez faire cette méditation à tout moment de la journée. Vous pouvez le faire même plusieurs fois dans la journée si vous en éprouvez le besoin. Voilà, merci infiniment. Je suis vraiment extrêmement heureuse de partager ces mandalas avec vous. C'est une joie immense et c'est une motivation. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça me motive de créer ces mandalas. Et je suis dans une gratitude infinie envers tout ce qui m'est donné
de transmettre et tout ce que vous recevez et aussi les messages de retour que je reçois qui sont extrêmement puissants et pleins de gratitude. Vraiment, merci. J'espère pouvoir continuer, pouvoir trouver l'inspiration et continuer à partager avec vous. Alors, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours un moyen pour vous d'être notifié qu'il y a une nouvelle vidéo mise en place. Et puis, mettez un pouce, ça permet aussi aux autres personnes de découvrir cette vidéo. Partagez si vous pensez que cette vidéo peut amener quelque chose à quelqu'un. Eh bien, n'hésitez surtout pas à le faire. Merci infiniment. Au revoir.